beaucoup de larmes ont été versées au dernier soupir du bien-aimé. Le meilleur envoyé s'en allait, ses beaux yeux venaient de se fermer. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Oh combien nous les musulmans nous aimons notre noble envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui le meilleur être créé. Les paroles qu'il a prononcées sont parmi les plus étincelants joyaux de la guidée. Et nous aimons dans nos rappels vidéo vous en faire partager. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous citer une très belle exhortation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a énoncée à ses compagnons. Abu Nadir al-Hirbad ibn Sariya, que Allah l'agré, a dit: le messager de Allah nous exhorta un jour d'une exhortation qui fit frémir les cœurs et couler les larmes des yeux. Nous lui dîmes alors: ô messager de Allah, on dirait une exhortation d'adieu, donne-nous une recommandation. Il répondit: ce qui a pour sens, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard de Allah, d'écouter et d'obéir à votre émir. Fut-il un esclave abyssin? Certes. Qui de vous vivra verra de nombres différents et de choses blâmables. À vous donc de suivre ma voie et celle des califes vertueux. Mordez-y à pleines dents et gardez-vous des mauvaises innovations, car toute mauvaise innovation est égarement. Ceci a été rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Que Allah nous accorde d'appliquer chaque chose que le prophète Mohammed nous a ordonné ou conseillé. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel vidéo donné par un petit musulman ou une petite musulmane sur notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.